My name is Regis Ishija, and welcome to the Facts Only podcast. We were very fortunate to sit down with a living legend, the only African player to ever win a Grand Slam, the only French male player to ever win a Grand Slam, Yannick Noah. We hope you have as much fun watching this as we had interviewing him. Like, share, subscribe. Alors Yannick, premièrement, moi ce que j'aimerais savoir, c'est ton avis par rapport au fait qu'il n'y a pas assez de blagues sur le circuit. Je parle de l'ATP, chez les femmes un peu mieux, mais il y a toujours des problèmes. Pourquoi ? Que ce soit les Africains qui arrivent à s'exporter, que ce soit les Blacks ailleurs, en Europe, en Amérique du Nord, etc. La situation en Afrique, c'est qu'un enfant qui a envie de faire du sport, il va jouer au foot. C'est juste qu'il suffit d'une aire de jeu, un terrain vague, un ballon, vous êtes 22, vous faites un match. Donc, alors qu'en tennis, il faut un court. Pendant longtemps, c'était des clubs qui sont des clubs privés. Il y a très très peu de clubs publics. Donc si tu veux, l'enfant en général de chez nous n'a pas accès au tennis. D'autant plus qu'une fois que tu as le court, il faut avoir une raquette. Quand tu commences à jouer souvent, il faut deux raquettes. Ça coûte. Il faut des balles, il faut changer les balles. Et donc ça a un coût. Et c'est un problème purement économique. Et le tennis est un sport qui est cher. Donc à partir du moment où le tennis devient accessible, où le tennis, tu retrouves du tennis dans les écoles, à partir du moment où tu retrouves des structures avec des cours publics, tu as des joueurs. Après, voilà, quand tu parles des États-Unis, un gamin qui est grand et costaud, il veut jouer au basketball. Il veut jouer au basket. Parce qu'il a connu Dr. J, après il a connu Michael Jordan, maintenant quand LeBron. Voilà, il s'identifie, en termes de culture, il s'identifie plus qu'au tennis, où il peut aimer le tennis, mais si c'est pour un jeune Américain, de dire mon idole c'est Nadal, il doit avoir un chemin qui est complètement différent. Pareil pour le football américain, le baseball. Le tennis est un sport presque secondaire en fait. Et voilà, ça c'est la spécificité des États-Unis. Il y a eu Arthur Ashe qui a amené pas mal de joueurs, et quelques joueurs de Black, comme tu dis, James Blake, Malavai Washington, Defi, Zina Garrison, enfin pas mal de joueurs afro-américains, mais en Afrique très peu. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui s'appellent Yannick. Mais tous les Yannick qui sont en Afrique, ils n'ont pas accès aux cours de tennis. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc quand je vois, quand je viens ici, pour moi, ça résonne beaucoup. Ça résonne beaucoup, ne serait-ce que par rapport au peu que j'ai vu déjà qu'il y a un tournoi. Un tournoi de ce niveau, je ne te parle pas de l'Afrique, je parle pas d'Afrique du Sud, et bien entendu, je ne parle pas du Maroc. En général, il n'y a pas d'accès, ne serait-ce qu'au tournoi. Alors peut-être qu'il y a des jeunes qui vont voir les gars jouer, qui vont dire « Ah là là, je vais jouer, c'est comme ça que... Ah, mon joueur, là, c'est comme ça qu'on fait le revers. » Ça va le stimuler. Peut-être qu'il y a un papa dans les tribunes qui dit « Moi, je vais mettre mon enfant dans le tennis. » Peut-être, en tout cas, un tournoi, il y a cet effet de stimulation. Après, entre cette stimulation, ce rêve et la réalité, il faut avoir plus de cours, plus de moyens. Et bon, c'est pas à moi de dire ça, mais il me semble qu'il y a des moyens qui vont être mis en place, que j'ai remarqué avec beaucoup d'admiration qu'à partir du moment où les autorités avaient décidé que ça allait très vite. Donc c'est une bonne chose, en tout cas moi j'apprends beaucoup ici. Écoute, moi j'ai un papa qui m'a, je vais vraiment personnaliser la chose, qui m'a inscrit à mon premier cours de tennis à 4 ans. Parce que lui il vivait en Belgique mais il ne pouvait pas jouer à l'époque, c'était un sport de riche justement. On est arrivé au Congo en RDC, il m'a inscrit au cercle sportif. Parce qu'il voyait ce qui se passait aux forêts nationales, il se disait ça serait bien un jour que mon enfant puisse vivre mon rêve. Je suis devenu bon, j'ai gagné des tournois minimes, cadets, juniors, on est venu au Rwanda. J'étais très bon, j'ai représenté mon pays aux Jeux Olympiques pour le camp olympique de la jeunesse. Et tout ça, c'est grâce à lui. Et je sais que quand il va voir ça, lui, il aura des larmes aux yeux parce que tu es tout pour lui.
Et je sais ce que ça fait pour lui. Mais ça, ça fait aussi que, on en a parlé pendant la conférence de presse avant-hier ou hier, ça me fait penser au fait que justement, et tu l'as dit, le Maroc et l'Afrique du Sud, eux, ont réussi, via Wayne Ferreira, via même le Zimbabwe d'ailleurs, les frères Black, ils ont réussi à avoir des joueurs, Karim Alami, etc., à se placer assez haut sur le circuit ATP. Mais à part ça. Je pense qu'il ne faut pas faire des règles avec les exceptions. Donc moi, quelque part, ça ne compte pas. Karim Alami, Younes El Anaoui, Hicham Arazi, ils ont tous grandi en France, en fait. Ils sont marocains, mais ils ont grandi en France. Donc dans un environnement où il y a des cours, il y a des cours partout. Tu fais un kilomètre, il y a un club quelque part, il y a des cours, il y a même des cours publics. Donc il y a des cours. C'est pas le cas pour nous. Voilà, il faudrait, dans le meilleur des mondes, qu'il y ait des cours un peu partout. Qu'il y ait des cours dans les écoles, des cours publics, une académie. Il y a de la bonne volonté. Et ça, je sais ici, pour les avoir rencontrés, qu'il y a de la bonne volonté et qu'il va y avoir des moyens mis en place. Si tu veux jouer au tennis au Maroc, c'est très simple de jouer au tennis au Maroc. Ce n'est pas simple de jouer au tennis au Cameroun. Hein. Oh, c'est pas simple. Et donc, nous, en fait, ma seule chance pour moi, c'est d'avoir eu des parents qui ont connu la France, d'avoir une mère française. Et entre guillemets, ma chance, en tout cas mon destin, a voulu que ben, pour jouer au tennis, il fallait que je parte très vite. Mais laisser partir ton enfant à l'autre bout du monde à 11 ans, c'est pas tout le monde qui fait ça. D'autant plus que c'est pas... tu signes pas en bas. Je dis, les gens me disent souvent, Yannick, j'ai mon fils qui joue bien. J'ai dit, il a quel âge? Il a 10 ans. J'ai ma fille qui joue très bien. On voudrait qu'il soit professionnel. Je dis, écoutez, j'ai juste quelque chose à vous dire. Si votre fille a 10 ans, pendant 8 ans, c'est à partir de demain, elle s'entraîne 5 heures par jour, sauf le dimanche. 5 heures par jour. Tous les jours. Pendant 8 ans. À 18 ans, elle a une chance sur 500 d'être professionnelle. Si votre fille ou votre fils, il fait 5 heures à partir de demain, tous les jours, pendant 8 ans, il fait de la médecine, il va être médecin, c'est sûr. À vous de voir. Donc, c'est important de... Le rêve du sportif, c'est toujours extraordinaire. Moi, je vois le sport comme plutôt un vecteur de santé. On ne fait pas du sport pour être professionnel. On fait du sport pour faire du sport. Et qu'il y en a qui vont aller plus loin. Mais l'idée, c'est justement dans la chaîne qu'ils aient la possibilité de continuer leur aventure. Et c'est vrai que nous, en Afrique, si un enfant qui a des moyens, il est obligé de partir. Et le but, c'est de faire en sorte qu'il parte le plus tard possible et mettre des structures technique, au niveau de l'entraînement, au niveau de l'accompagnement médical, au niveau des cours, il faut qu'on puisse s'entraîner même s'il pleut, il faut qu'on puisse jouer pendant la saison des pluies, plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place afin que le jeune ait la possibilité, il découvre le tennis, il aime ça, on peut lui donner du matériel, il peut avoir des entraîneurs, et pour qu'il puisse partir le plus tard possible, parce que c'est pas simple pour un enfant de partir au Rwanda, aller s'installer en France, dans un sport-études, c'est très difficile. Et moi, je pense qu'un... Je dis toujours que pour un joueur africain, c'est comme un marathon. C'est comme si le joueur européen ou américain, le marathon, c'est 42 km. Mais pour l'Africain, c'est 48 km. Parce que c'est long, il y a beaucoup de choses. Tu vas avoir le déracinement, tu vas te retrouver l'hiver. Il y a plein de choses qui font que pour toi, normalement, tu vas... La barrière linguistique, la culture, ça va jusqu'à ce que tu manges, l'hiver. Enfin, tout ça, j'ai vécu. Mais il s'est trouvé que j'étais accompagné par mes parents qui connaissaient, mais c'est beaucoup de chance. Je pense qu'à partir du moment qu'il y a une volonté vraiment de développer le tennis dans les différents pays africains, il faut que les structures soient mises en place sur place. Tu nous as fait vibrer en 91 avec... la Coupe Davis, tu en as gagné plusieurs entre-temps comme capitaine, mais en 91 spécifiquement, je l'ai regardé avec mon père, et c'était une équipe formidable. Sauf que moi, quand je recule, même en 83, jusque maintenant, et que je vois qu'il n'y a aucun joueur français dans le simple messieurs qui a gagné un grand chelem, pourtant, c'est pas qu'il n'y a pas eu de grands joueurs,
Henri, Guy, Cédric, Arnaud, etc., Fabrice, t'en as eu beaucoup qui ont fait des finales, etc. Mais c'était des finales où t'avais Cédric contre Sampras, par exemple. Tu savais déjà avant le match, ça allait être chaud. Tu vois, t'avais, je sais pas moi, Santoro contre Agassi, c'était compliqué. Pourquoi, à part toi, il n'y a pas eu une suite, c'est-à-dire vous étiez capable de gagner une Coupe Davis, mais pas, c'est vrai que dans la Coupe Davis, il y a aussi le double, mais pas de gagner un tournoi sur une quinzaine en Australie, en Angleterre, en France et aux États-Unis. Déjà, il faut quand même savoir si demain ton fils joue au tennis et qu'il a la carrière de Joe Wilfried-Tsonga, même s'il n'a pas gagné, tu signes demain matin. Si mon gamin décide de jouer au tennis et qu'il a le palmarès de Richard Gasquet, je signe demain matin. Donc il faut garder le respect. Il ne peut pas y avoir d'autant plus qu'il y a une génération qui a été complètement bouchée. Parce qu'il y avait trois joueurs extraordinaires qui seront certainement dans l'histoire du tennis, dans les 10 premiers de tous les temps. Donc quand il y en a trois, quand tu as Djokovic, Nadal, Federer, qui bouge tout, qui gagne tout, c'est très difficile de gagner un grand chelem. Ça, c'est une première chose. Après, la structure, elle peut amener beaucoup de choses. Le matériel peut t'amener. Après, il faut avoir cette autre chose qui fait que tu as envie. Ce qui m'a toujours poussé en tant que jeune, c'est que pendant ma jeunesse, j'étais pas grand. J'étais le meilleur du club, j'étais le meilleur du pays. Forcément, on n'était pas nombreux à jouer au Cameroun. J'étais le meilleur en France dans les catégories 12 ans, 13 ans, 14 ans. On me disait oui, il y avait toujours ce oui mais il est pas grand, oui mais sa technique elle est comme ça. Oui mais est-ce que ça va être encore un espoir comme tous les espoirs qu'il y a eu? Mais j'avais en moi l'envie de leur montrer que j'allais leur montrer. Ça c'est des choses que tu peux pas dire sur le moment mais que tu peux dire plus tard. Le compétiteur en toi. J'avais envie de prouver quelque chose. J'avais envie de prouver qu'un franco-camerounais peut gagner. J'avais envie, à l'époque, j'avais mis des dreads, qu'un dread peut gagner. Je jouais avec un poignet rasta qui était comme une représentation africaine pour moi. C'était une force parce que je n'avais pas juste envie de gagner un match. Je savais que pour moi, gagner un événement, il aurait pu en avoir d'autres, mais gagner, hein, c'était autre chose que juste moi. Parce que je sentais très très fort que je représentais autre chose que moi-même. Que je représentais l'Afrique, en fait. Que je représentais la France, évidemment. Mais que je représentais l'Afrique. Que je représentais la Caraïbe. Que je représentais des choses. Et ça, j'étais conscient assez rapidement. Et ça m'a donné beaucoup de force. À tel point que quand j'ai gagné, ça avait été tellement puissant pour moi, jeune de 23 ans, qu'après ça, je n'ai pas trouvé un autre élan. Je m'entraînais toujours, parfois plus dur. J'avais envie plus dur, mais il n'y avait pas cette chose à l'intérieur. Et je pense que justement, les joueurs que tu as cités n'avaient pas cette chose. C'est important de dire, je veux gagner, mon rêve c'est gagner Roland-Garros. Ah, tu veux gagner Roland-Garros? Mais pourquoi tu veux gagner Roland-Garros? Et là, les joueurs disent, il faut savoir pourquoi. Et si tu as ce pourquoi, c'est là la différence. Je pense que si tu poses cette question à Nadal, il sait pourquoi il va en gagner un 20e. Il sait pourquoi il est blessé, il va encore gagner. Alors ça peut être l'argent. Ça peut être pour faire plaisir à une femme qu'il n'a pas encore séduit. Ça peut être pour ton peuple, ça peut être pour les gens de ta fondation, parce que tu sais que si tu gagnes, tu les représentes, etc. Ça peut être plein de choses. Mais il faut que ce soit clairement défini. Et je vois beaucoup de gens qui jouent pour jouer, qui s'entraînent pour s'entraîner, qui gagnent, ils gagnent, ils perdent. Mais il n'y a pas cet appel profond. Je pense que cette chose-là, elle existe chez un joueur africain qui arriverait sur le circuit. Mais il n'y a pas la structure. Il n'y a pas encore la structure. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ta carrière? T'es le plus fier de quoi, en fait? D'avoir gagné Roland-Garros, d'avoir rendu l'Afrique fière à ce moment-là, et la France, d'avoir été troisième mondial à une époque où t'avais quand même
Jimmy, t'avais Jimmy Connors, John McEnroe, les Agassi, les Sampras étaient déjà sur le circuit, t'avais des Ivan Lendl, etc. Mats Wilander, est-ce que c'est ça qui te rend le plus fier ou c'est ce que tu as fait après, c'est-à-dire gagner des Coupes Davis, pouvoir être quelqu'un de clé dans la fédération, en tout cas dans le paysage tennistique français, ou être revenu au Cameroun, t'être installé à Yaoundé et juste faire comme ce que tu fais aujourd'hui à Kigali, donner un brin d'espoir, une lueur d'espoir à un jeune qui voudrait un jour en faire une carrière, mais qui justement n'a pas d'idole, n'a pas de repère. Ce dont je suis le plus fier, c'est que je peux marcher dans la rue et les gens me respectent. Je ne parle pas aux Champs-Élysées, hein. Je ne parle pas dans les grands quartiers ou les grands restaurants. Comme disait Joachim, papa, ce que je suis le plus fier, you street love is crazy. Moi, je suis content que les vrais gens... La rue t'aime. Ouais, c'est ça dont je suis le plus fier. Alors, bien sûr, les jeunes, bon, les jeunes, j'ai gagné Roland-Garros, c'était il y a 40 ans. Il y a des jeunes qui pensent que je joue bien au tennis pour un chanteur. Il y a des gens qui ne savent pas que j'ai fait du sport. Il y a des gens qui aiment ce que j'ai fait sur le plan social. Il y a des gens qui aiment bien le capitaine. Bon, c'est un peu tout. Mais moi, j'ai réalisé très tôt que mon plaisir, c'était d'avoir un impact sur les autres. Tu sais, quand tu marques un but, tu ne regardes pas tes pieds. Tu regardes les gens parce que ton bonheur est décuplé par le fait que tu as la possibilité de donner du bonheur à des milliers, des millions de gens. Moi, quand j'ai gagné, j'étais bien sûr pas en train de... Mais j'ai senti que j'avais donné de la joie et de la fierté à beaucoup de gens. Quand je fais un concert et je regarde les gens, je vois que je donne du bonheur à des gens. Quand je m'arrête avec quelqu'un dans la rue qui ne me connaît pas et qui me dit « Est-ce que je peux faire une photo avec mon fils ?» qui, le petit dit « C'est qui ?» Mais tu vois, la maman, elle tremble, ça me touche. Parce que j'ai cette gratitude, en fait, de pouvoir, parfois souvent, de pouvoir donner du bonheur aux gens. Tu vois, et c'est ça dont je suis le plus fier. C'est tout. Il y a des gens qui ont gagné moins que moi et qui font ça au quotidien. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup plus que moi et qui ne connaissent pas cette dimension. Et qui n'ont pas cette dimension, en tout cas qui ne réalisent pas. Moi, j'arrive pas dans un endroit avec des écouteurs, des gardes du corps. Moi, j'arrive simplement, là je mets des chaussures parce que j'ai un cours, mais... Sinon tu serais pieds nus. Sinon je suis plutôt... Bon, on a parlé de toi tout à l'heure, on s'est dit qu'il faut pas qu'il arrive. Mais c'est plus ça, tu vois, d'être accessible. Et moi, j'étais un jeune aussi, j'ai aussi un champion qui t'appelle Arthur Ashe, il m'a tendu la main. Donc si un enfant, il me dit, je suis toujours là pour lui. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de pouvoir donner du bonheur aux gens. Le Rwanda est fier de t'avoir ici, je suis fier de t'avoir ici. On a hâte que tu reviennes et qu'on refasse ça la prochaine fois que tu seras là. Ben merci, en tout cas, bon, Joachim a insisté beaucoup pour que je vienne ici parce que bon, je sais qu'il y a des ambassadeurs du Rwanda, mais Joachim est vraiment un ambassadeur du Rwanda. Il adore ici. Bon, ben, son projet, le projet de la BL, ça, c'est vraiment bien. Il est très excité, mais il a beaucoup aimé les gens et les pays et le pays. Et bon, ben, je suis ravi. Il ne m'a pas menti, je suis très content. Très content des rencontres que j'ai pu faire avec la ministre des Sports, brièvement avec Monsieur le Président et la Première Dame. C'était très fort et un peu troublant parce que c'était tellement simple. J'ai l'impression d'être en famille, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais c'est bon, mais c'était très agréable, très agréable. Yannick, écoute, merci beaucoup. Au plaisir. Les tennis magazines que mon père m'a acheté auront servi à quelque chose. Ah, okay. Pas juste pour le tennis, mais pouvoir t'avoir en face de moi comme ça, ça n'a pas de prix. C'est cool. Prends bien soin de toi. Plaisir, toi aussi. Passe un bon moment. Hein. Plaisir. Merci à toi.